Kim Kardashian a fait greffer de faux testicules à son chien. L'info insolite du jour / Faut-il encore être étonné des idées de Kim Kardashian / La star américaine a trouvé un moyen plutôt étonnant pour aider son chien, en manque de confiance en lui, comme le révèle le New York Times. Pour booster son ego, retrouver sa dignité après s'être fait stériliser, elle a fait poser à son boxeur Rocky qu'elle a eu lorsqu'elle était avec son ex-compagnon Reggie Bush des prothèses testiculaires. Des implants qui ont un coût environ 11 000 €. Rien n'est trop cher pour le chien de Kim Kardashian. Il y a des gens qui balancent leurs chiens dans la voiture et les font stériliser sans se soucier de rien. Mais d'autres se soucient bel et bien du bien-être de leurs chiens, a remarqué l'inventeur de ces prothèses, interviewé par le média américain. C'est là qu'interviennent les neuticles, non des implants, ND et LR. Ce n'est pas seulement pour les chats ou les chiens. On en a posé aussi sur les éléphants, des chiens de prairie, un singe et même des rats. Après avoir vaillamment restauré la confiance en lui de Rocky, Kim Kardashian l'a finalement cédé à son ex-petit copain au moment de leur rupture, en 2010. Elle et ses trois enfants, North, Saint et Chicago, ont désormais un chien d'une toute autre race, un loulou de Poméranie nommé Sushi. La star, qui œuvre décidément pour le bien-être psychologique de ses toutous, a plus d'une lubie dans son sac. Elle a embauché un éleveur de chiens renommé à Hollywood pour calmer ses aboiements intempestifs. La séquence a été diffusée durant la dernière saison du feuilleton L'incroyable famille Kardashian. D'après l'expert, les maîtres de Sushi seraient trop laxistes avec leur animal de compagnie. Aïe.